décidé d'acheter moins de livres. Au secours. Il y a trop de livres. Il n'y a jamais trop de livres, Manon. Mais il y a trop de livres. J'arrive même plus à bouger. Un livre à la mer. Un livre à la mer. Ah oui, et si vous voyez les piles de livres qui sont là, en fait, c'est parce que juste après cette vidéo, je vais filmer une pile à lire. Et qu'elle est un peu gigantesque. Ça va être la pile à lire de l'été et il faut que je lise tout ça. Je sais pas, je ne sais pas où je me suis crue. Je pense que j'ai l'impression de pouvoir lire un livre par jour, je crois, alors que je peux pas du tout. Mais bref. J'ai aussi lu le tome 1 du Sorceleur, donc The Witcher. C'est de Andrzej Sosolowski, je sais plus. Ensuite, j'ai découvert Mercyful Crows de... voilà, qui est absolument magnifique. Il s'agit de Ray Shepard. On va suivre une sorcière qui s'appelle Velos Visrine. Mais moi c'est sûr, à part tremper mes pieds dans l'eau, ça ok, mais lézarder sur le sable, sous le soleil. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je l'ai acheté les yeux fermés parce que j'ai l'impression que c'est le genre d'auteur qu'il faut lire les yeux fermés aussi. Est-ce qu'on peut lire les yeux fermés? Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud pour parler et pour faire des vidéos, je crois. C'est un énorme... j'ai pas envie d'être vulgaire. Saligo, si... Voilà. Et c'est un roman, oula, qui vient de tomber, voilà. Et là d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore reçu un colis, je vous montre. Je l'ai mis trop loin. Oh là là, il y en a partout. Regardez-moi ça. Je sais pas trop et j'ai rien noté et je me suis dit tu verras en filmant la vidéo et c'était pas une bonne idée en fait. Et j'ai décidé de découvrir Bakemonogatari, Légende chimérique, le livre... non c'est pas celui-là que je veux découvrir, celui-là c'est le livre 3. Le livre 1 il est là. Non, ça c'est le livre 2. Bon bah écoutez. Le livre 1, c'est celui-là. Oh il est tellement beau. Oh c'est... le petit cri c'est parce que... j'ai un marque-page, il est magnifique, il est dédicacé. C'est l'heure du câlin, tu fais ton intéressante. Il y a Luna qui me lèche la main, c'est horrible, arrête. Et puis on va aussi découvrir la destinée d'Elena qui est de sauver le monde, hein. Globalement c'est un peu ça. Elle est attendue comme le messie depuis qu'elle est toute petite. Ça va, je te dérange pas? Ça va? Oui. Du coup... sérieux, tu viens de me foutre la honte ultime. Ah, du coup, ouais, je pense que... enfin, vous... Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, mon amour. On se bouge, mon bébé. Allez. Allez. Je me fais engueuler par le chat. Je me fais engueuler par ce petit chat. Allez, on y va. Oui, je sais que t'es bien au chaud, mais j'ai fini de filmer. Au secours. Au secours.